Chers et aimés, madame, messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTNC au sommaire de ce jeudi. L'unité dans la diversité pour l'avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine partout et pour tous. C'est le thème de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Discours très attendu du président RD congolais. Félix Tshisekedi évoquera l'agression rwandaise sur le sol congolais. Après le succès enregistré à Kinshasa, l'expo béton pose ses valises au Congo centre. Le pont Maréchal transformé et a abrité la cérémonie du lancement sous une tente. Le go a été donné par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Puisque tout est rentré dans l'ordre après la tentative d'évasion de la prison de Makala, le bâtiment incendié sont en pleine réhabilitation. D'autres ont été équipés. Vous verrez dans le corps de ces journaux le ministre d'État en charge de la justice visiter le lieu. Madame, monsieur, voilà tout pour le titre. Avant de développer ces titres, débutons cette édition par ces images. Deux images du basketteur international franco-américain Tony Parker, reçu en audience par le président de la République. Cet ancien basketteur international était porteur d'un projet en faveur de la jeunesse congolaise dans le domaine de sport. Débutons par ces reportages de Blandine Zovo et Bienvenue Kabamba. Arrivé à Kinshasa en début de semaine, le basketteur international franco-américain William Anthony Parker traîne dans ses bagages plusieurs projets en faveur du sport congolais. En collaboration avec le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbou-Toubouanga, l'ancienne star de la NBA a dit au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ses intentions d'accompagner la République démocratique du Congo mieux. Le ministère des Sports et Loisirs. Il a été question que je puisse conduire la délégation auprès du chef de l'État pour présenter la star Tony Parker, qui est là parce que nous devons mettre en place un accompagnement pour le sport congolais, pour qu'il puisse nous aider à promouvoir le sport congolais. Et en même temps, avec M. Sébastien, qui est un organisateur des marathons, nous sommes en train de préparer un grand marathon international de Kinshasa d'ici une année. Donc c'est de ça qu'on a parlé, et puis un peu de tout ce qui concerne le sport. Et je pense que le président a été très attentif. Et je suis sûr qu'on pourra vraiment aboutir dans le projet que nous avons. Moi, ça fait longtemps que j'avais envie d'aider le continent africain. J'ai fait plusieurs voyages dans différents pays. Et c'est vrai que là, le Congo et ce qu'on a discuté avec Monsieur le ministre, c'est vraiment excitant. Je suis vraiment content pour l'avenir. Moi, je suis animé par la transmission depuis que j'ai pris ma retraite sportive. Et on a essayé d'expliquer le projet à Monsieur le Président. Et j'espère que ça sera positif et qu'on pourra mettre les choses en place. De son côté, Sébastien Botary, faisant partie de la délégation conduite par le ministre des Sports, parle d'un grand événement qu'il compte organiser le 30 juin de l'année prochaine. Il s'agit du marathon international de Kinshasa. Je crois que le message aujourd'hui, c'est qu'il y a une véritable impulsion politique au plus haut sommet de l'État pour faire de Kinshasa et le Congo une destination importante sur le continent à travers des manifestations, à travers des nouveaux projets que mène M. Parker. Et donc c'est pour nous, investisseurs, acteur, quelque chose de très important. En ce qui nous concerne, on est là pour organiser le premier marathon international de Kinshasa le 30 juin. C'est une date qui est très importante dans l'agenda des Congolaises et des Congolais. Donc c'est une mission très importante que nous prenons au sérieux. Et avec, l'appui du ministre, on va tout faire pour que cette manifestation se déroule le mieux possible. La promotion du sport de santé à travers le marathon, le basketball et le football sont les quelques disciplines concernées par ce projet présenté au président de la République. On enchaîne avec cette autre audience à la Cité de l'Union africaine. L'inspection générale de finances et l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Deux structures officielles placées sous l'autorité du chef de l'État ont reçu deux instructions de la part du président de la République dans le cadre de la mobilisation de recettes dans leurs domaines respectifs. Regardez. Placée sous l'autorité directe du président de la République, l'inspection générale des finances poursuit sans emparer sa lutte acharnée contre les antivaleurs, notamment le détournement des deniers publics et la corruption.
Reçu en audience par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jules Alingetekei est venu présenter le rapport de ses activités dans le cadre de la surveillance des opérations financières de l'État. Selon l'inspecteur général chef de service de l'IGF, le président de la République, à travers des instructions claires et précises, souhaite que l'IGF travaille activement afin d'appuyer la mobilisation des recettes publiques. Nous sommes dans la droite ligne des instructions données par le président de la République en vue d'incarner sa vision en matière de lutte contre la corruption, a dit M. l'inspecteur général, chef de service. De son côté, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal-Katembe, est également reçu dans la même soirée de ce mercredi par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devrait pour sa part mobiliser toutes les sociétés sous-traitantes à travers une sensibilisation afin de s'acquitter de leurs devoirs fiscaux en vue de permettre à l'État congolais de mobiliser les moyens de sa politique. C'est révolue l'époque où le domaine de la sous-traitance échappait au contrôle du pays. Les ressources issues de la sous-traitance sont désormais retraçables et contribuent au budget national. Le DG de l'ARSP a promis au chef de l'État de faire de la sous-traitance le moteur du développement du pays, mais surtout un domaine respecté qui contribue efficacement à l'économie de la République démocratique du Congo. Allez, on change carrément de chapitre. Il s'ouvrira dans quelques jours le grand débat de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies orale, très attendue du président congolais du haut de la tribune de Nations Unies. Félix Tshisekedi évoquera des questions liées à la situation sécuritaire de l'Est de la RDC. Joseph Oscar Mbalkaïche. 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, aux États-Unis d'Amérique. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement vont prendre la parole du haut de la tribune de cette session ordinaire. Aux côtés de ses pairs, l'oral du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est très attendu. Beaucoup d'enjeux pour cette session qui regroupe tous les pays membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est notamment des enjeux sécuritaires dans l'est du pays, les questions de santé publique, avec les plans de contingence de la variole Mpox par la RDC et au-delà de tout, la prévention des grandes pandémies. Et l'autre agenda non moins détaillé, c'est la mécanisation de l'agriculture pour une autosuffisance alimentaire assurée. Dans son discours, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va sans doute revenir sur la position de la RDC en tant que pays solution sur la transition énergétique et la protection de l'environnement. Un autre agenda détail, ce sont les deux places tant réclamées par l'Afrique parmi les pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais les grandes puissances veulent que cela soit fait sans droit de vote. Et la RDC sera présente à cette session à travers le premier citoyen de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va porter la voix de tout un pays. Après le succès enregistré à Kinshasa, l'Expo Béton pose enfin ses valises au Congo central. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a lancé hier mercredi 18 septembre à Matadi au Congo central la deuxième étape des assises. C'est un récit de Jim Mamogo dans un film de Pompon Mba et Patrick Djokoukou. Le port international de Matadi, transformé en un carrefour d'espoir et d'innovation. Son espace abrite les travaux de la deuxième session de la 8e édition de l'Expo Béton. Sous cette tente géante, sont réunies plusieurs intelligences afin de trouver des solutions pour le développement, a fait remarquer la première ministre Judith Suminwa, venue honorer cette cérémonie. Il est parfois nécessaire que les fils et les filles de notre pays s'unissent pour réfléchir et réaliser ensemble des projets pour rendre nos villes de la RDC en général et tout particulièrement Kinshasa et les villes du Congo central sécurisées, modernes, durables et résilientes. D'ailleurs, comme l'a si bien dit le président de la République, c'est parce qu'ayant été attentif aux recommandations des débuts passés d'Expo Béton, qu'il a eu l'ingénieuse idée de créer un ministère dédié
à la politique de la ville. Pour centraliser et coordonner les efforts en matière de développement durable en vue d'améliorer le cadre de vie de nos populations. Le thème de l'Expo Béton s'aligne parfaitement avec le programme d'action du gouvernement 2024-2028, exécuté sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Accompagné de quelques membres de son équipe, la chef du gouvernement a affirmé l'importance d'adopter des solutions durables pour le corridor ouest, une initiative cruciale pour améliorer les infrastructures et les conditions de vie des Congolais. Je puis vous assurer que le projet de budget que j'ai déposé lundi au Parlement comprend des interventions directes de l'État congolais pour réaliser rapidement des travaux d'envergure afin de rendre opérationnel le corridor ouest qui comprend et touche une population de près de 40 millions d'habitants. À l'horizon 2050, plus de 60% de la population du corridor ouest vivra dans les villes comme Kinshasa, Boma, Matadi, ainsi que les agglomérations urbaines comme Kasangulu et Mwanda. Il faut donc, dès à présent, penser et proposer des solutions durables pour ces villes, a insisté Grace Bilolo, gouverneur du Congo central. Jean Bamanissa, opérateur économique et initiateur de ce forum, a réussi à rassembler des acteurs économiques nationaux et internationaux autour du thème des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa. Dans l'actualité également, la RDC va entamer dans les jours à venir de réformes dans le secteur agricole. Le sujet a été évoqué lors d'une rencontre entre le premier vice-président de l'Assemblée nationale et le ministre d'État en charge de l'agriculture. Les ministres d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire est venu échanger avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale sur son initiative parlementaire de porter la proposition de loi semencière. Une proposition de loi qui va permettre au gouvernement de matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le secteur agricole. Isaac Jean-Claude Tshilombaï a rassuré son hôte de sa disponibilité de porter et de faire inscrire cette proposition de loi au calendrier des travaux de la chambre basse de cette session. Question de permettre à la République de se doter d'un instrument juridique qui va booster ce secteur en vue de combattre l'insécurité alimentaire dans les coins et coins du pays, comme le souhaitent les garants de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y aura beaucoup de réformes. Je pense que nous devons aller lentement pour arriver à mettre en place ces réformes. Nous voulons créer un système durable de développement de l'agriculture congolaise. Nous sommes en train de réfléchir et mettre en place un plan de production de semences durables. C'est-à-dire, si nous lançons ce plan de production de semences durables, dans les 2 ans qui vont suivre, nous aurons beaucoup de résultats sur le terrain. Ici, de signaler que le ministre d'État Grégoire Mutyaila Mutombe a annoncé la récolte imminente des premiers produits du plan de production durable dans plusieurs provinces. Madame, monsieur, savez-vous que le ministre des Finances a conduit le mardi 17 septembre 2024 la réunion de la Troïka politique? Des orientations claires ont été données aux membres de la Troïka par l'Argentine nationale pour stabiliser le cadre macroéconomique et consolider la stabilité du taux d'échange sur le marché. Sylvie Moembo. Il faut investir dans les secteurs productifs, tel est le message central du ministre des Finances, Doudou Fambalikunde Libotai, en rapport avec la consolidation de la stabilité du taux d'échange ces 5 dernières années. Il s'était observé une stabilité du cadre macroéconomique. L'orientation de l'Argentine nationale figure parmi les solutions structurelles de longue durée pour lutter efficacement contre la dépréciation du franc congolais et ses conséquences sur le plan social et économique. Au cours de cette réunion, il a été dégagé la nécessité de poursuivre des réformes. L'orientation de la réunion d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les ressources, à la fois qu'on mobilise auprès des partenaires et même les ressources nationales, soit dans une grande part orientée vers l'investissement. Parce qu'il n'y a que l'investissement qui peut permettre de créer des richesses qui vont à leur tour nous permettre de gérer durablement la situation de l'inflation et de maîtriser le taux d'échange.
Par ailleurs, le coordonnateur du comité technique de réforme, Félicien Moulinda, a indiqué que la République démocratique du Congo travaille d'un commun accord avec le Fonds monétaire international et prévoit de mobiliser 2,5 milliards de dollars américains dans le cadre des négociations avec cette institution de Bretton Woods. Au-delà de ça, nous travaillons sur un appui budgétaire de la Banque mondiale d'1 milliard pour 2024 et 2026. Donc ce sont ces efforts-là que les autorités sont en train de mener. Ceci est la résultante des efforts consentis par le gouvernement Judith Suminoa pour accroître les investissements. La commission administrative et financière. Sous débat, chacun de nous a apporté ses amendements et le règlement de l'intérêt a été adopté par la plénière, c'est-à-dire le congressiste. L'objectif, c'est de faire de la presse en République démocratique du Congo véritable quatrième pouvoir. Ça passe aussi par le contenu, la qualité des journalistes du pays. Et comme l'UNPC aura aussi pour mission, aussi il y a la formation, il faut voir tout ça, repenser le média, qui est journaliste. Ça va contribuer à l'assainissement médiatique dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut se réveiller un matin et se dire journaliste. Je nous invite tous à plus de responsabilités, à mettre au premier plan les intérêts de la corporation, les intérêts de l'UNPC, à mettre de côté les petites divisions, mais à avoir l'intérêt supérieur de la profession. Les réseaux d'assainissement, de l'hygiène et prévention sanitaire contre le maladie, une structure du ministère de la Santé vient de s'assigner d'une commission d'assainir la ville de Kinshasa pour lutter contre la salubrité. Un esprit sain dans un corps sain est maxime qui rappelle à la population congolaise une obligation de vivre avec une santé de bonne qualité. Un objectif qui s'est assigné le réseau d'assainissement d'hygiène et de prévention sanitaire contre le maladie des structures partenaires du ministère de la Santé, Hygiène et Prévention Sociale sous la coordination des Tango Mouya. Le réseau s'est vu une structure de lutte contre la salubrité dans nos villes et villages, veille à l'amélioration de l'environnement, appuyer les initiatives locales et organiser de luttes antivectorielles dans le même ordre d'idées. Le réseau d'assainissement d'hygiène et prévention sanitaire contre le maladie invite la population congolaise à bien recycler les immondices afin de faire une source de revenus, bien entretenir le latrine. La commune de Kinshasa, dont la ville-province de Kinshasa a été la première entité administrative à recevoir le service de réseau avant de s'étendre sur toute l'étendue de la capitale. Lutte contre la fraude et la contrebande de produits pétroliers à Goma. Le ministre des Hydrocarbures, Aimé Molendo Sakombi, a posé mercredi 18 septembre la première pierre pour la construction d'un terminal moderne de stockage de produits pétroliers. C'est cet espace de plus ou moins 4 hectares qui va recevoir ce projet des parcs pétroliers d'une capacité de stockage de plus ou moins 9 millions de litres de produits pétroliers et jet A1. Un sentiment de satisfaction pour les opérateurs économiques du Nord Kivu. Et le fait d'avoir créé ce terminal nous permettra
permettra d'avoir une capacité de stockage assez importante. Et je pense pour tout le monde, et les opérateurs économiques, et le consommateur, et le politique, nous serons bénéficiaires de ce terme. Pour les gouverneurs de la province Nord-Kivu, le général-major Peter Chirimwami, avec ses projets qui entrent dans les cadres du partenariat public-privé, le carburant sera permanent à province. Nous devons croire que cet ouvrage fera de la société Kivu Pétrole et stockage logistique un logisticien de proximité qui facilitera l'approvisionnement en produits pétroliers et Jet Alpha One à moindre coût. Les coûts de ces travaux de construction de ces terminales de stockage de produits pétroliers et Jet 1 a été donné par le ministre des Hydrocarbures, Aimé Moulendo Sakombi. C'était à présence de plusieurs personnalités de la ville de Goma en particulier et celle de la province Nord-Kivu en général. Monsieur Vanni, je ne peux que le féliciter. Il est vraiment en train de faire quelque chose qui aura un impact immédiat et terrible sur les populations du Nord et certainement du Grand Nord. Je ne peux que l'encourager. J'ai demandé au général, au gouverneur militaire, de pouvoir l'accompagner également. Il s'agit de leur province. Et si tout le monde pouvait faire comme ça, en travaillant, en recrutant que des Congolais en plus, c'est vraiment un bel exercice que nous saluons. Ce projet de Kivu Pétrole Stockage Log, KPS Log à sigle, sera matérialisé par l'entreprise Marshall Congo Engineering, une entreprise 100% congolaise, pour une durée de 16 mois. Le registre de la justice, tout est rentré dans l'ordre après la tentative d'évasion de la prison centrale de Makala. Le bâtiment incendié sont en pleine réhabilitation, d'autres ont été équipés. Cédric Kenina. L'on répeint, l'on réhabilite les murs qui s'est écroulé sous la menace des détenus et les bâtiments incendiés lors de la tentative d'évasion de Makala qui a tourné à un drame. Les ministres d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, scrutent chaque détail, du centre de santé au dépôt de stockage des provisions alimentaires pour les pensionnaires, en passant par la cabine électrique jusqu'au service de numérisation des données des détenus, aujourd'hui complètement équipés en ordinateur. Au-delà de tout, les gardes du Sceau, accompagnés de son vice-ministre Samuel Bemba, a procédé dans le cadre du désengorgement de cet espace carcéral à la libération sous condition des détenus éligibles, souvent derrière les barreaux pour des faits bénins, environ 300. Des cas de famille qui devaient être résolus, mais qui ont été amenés jusqu'au niveau des condamnations inutilement. Alors là qu'on voit que Dieu a intervenu par le ministre, c'est la meilleure des réactions. Dans un autre décor, Constant Mutamba s'est rendu au collège de la Salle, dans la commune de la Gombe. Ici, le constat est amer. L'entrée principale du collège est bloquée par des travaux de construction non autorisés. Une situation qui contraint les élèves à emprunter des chemins détournés, perturbant ainsi la formation de ses enfants. Les ministres d'État, à séance tenante, ordonnaient à l'auditorat supérieur des FARDC de mettre fin à ces travaux et démolir simplement ces constructions devant cet établissement scolaire. L'éducation, l'un des volets phares de l'action quinquennale du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a plus que besoin d'une protection de la justice en cas de menace. Deux kits scolaires ont été remis à plus de 500 élèves de Kinshasa, dont du vice-ministre de la Justice, Rodé Panda. Plus de 5000 élèves orphelins des différentes écoles du district de la Lukunga à Kinshasa ont reçu des kits scolaires. Une assistance de maître Samuel Mbemba Kabuya, vice-ministre de la Justice et Contentieux International. C'est une pierre apportée à cet édifice éducatif des enfants en vue de leur assurer une bonne rentrée scolaire 2024-2025. Un échantillon représentatif a été réuni le mercredi 18 septembre 2024 au Kaluka dans la commune de Ngaliema.
Ce geste philanthropique de maître Samuel Mbemba est un appui de taille à la décision prise par le président de la République, Félix Tshisekedi, dès lors de son premier mandat de rendre gratuit l'enseignement primaire sur toute l'étendue de la République. Pour le vice-ministre de la Justice et Contentieux International, l'absence des parents biologiques ne peut en aucun cas empêcher Dieu, véritable père des orphelins et pourvoyeur, d'accomplir sa promesse dans leur vie. Pendant 23 ans, en plus de fournitures scolaires, une enveloppe consistante a été remise à tous ses élèves pour couvrir d'autres besoins. Rendons-nous dans la province du Haut-Uele, dans le territoire de Ouattara. La population locale réunie autour de la Ligue Mbila revendique un fils du coin à la tête du département social de la société Kibali Gold Mine. Regardez. Le recrutement d'un des fils du coin à la direction du département social de la société Kibali Gold Mine est l'une des revendications portées à l'intention du gouverneur Jean-Bakomé Togambou par les leaders d'opinion, les jeunes et les membres de la société civile du territoire de Ouattara lors de sa toute première mission d'itinérance dans cette partie de son entité. C'est dans cette optique que les membres de la Ligue Mbila, regroupant les filles et fils de toutes les 9 entités territoriales décentralisées de Ouattara affectées par l'exploitation des Kibali Gold Mine, a organisé ce mercredi 18 septembre 2024, une marche de plaidoyer et de soutien en faveur de l'un de leurs, Dominique Sanga Mambidi, considérant que le siège est déclaré vacant par l'entreprise. Au terme de leur marche, un mémo contenant les revendications a été lu et remis aux représentants du département social par Fiston Yedé, porte-parole du groupe. Vu l'existence de Kibali Gold Mine depuis plus de 15 ans dans le territoire de Ouach, aucune fille et fils du dit territoire n'a été directeur d'un département de Kibali Gold Mine, malgré que les compétences existent. Au regard des collaborations entre la communauté riveraine affectée par les projets de Kibali Gold Mine, nous, filles et fils du dit territoire, recommandons M. Dominique Sanga Mambidi au poste de directeur du département social, vu sa compétence et son expérience professionnelle dans votre entreprise. Un mot de sport avant de prendre la revue de presse dans le cadre de l'organisation de la 26e CAN de handball. Dame senior par la RDC, la Confédération africaine organise un tirage au sort ce jeudi. Son président séjourne déjà à Kinshasa. Willy Kandé et Bonheur Mafouani. C'est 24 heures avant le tirage au sort de la 26e édition du championnat d'Afrique des Nations de handball dames senior que le président de l'organe fêtier de ces sports en Afrique, le docteur Aremu Mansourou, a été accueilli à l'aéroport de Ndjili par le président Amos Mbayo. Merci beaucoup pour cette opportunité que la famille du handball du Congo démocratique m'offre pour fouler le sol de Kinshasa à l'occasion de ce qu'on peut appeler la première fois. Discipline sportive confondue. Comme vous le dites, en tout cas moi je sais que par rapport au handball, c'est la première fois et l'histoire retiendra que c'est en notre temps, le président Mbayo et moi, que nous avons écrit cette histoire. Arrivé sur le site de l'activité, le président Aremu a pu palper du doigt les préparatifs effectués par ses collaborateurs et l'agence gérée par Tom Kisenda, premier vice-président de la Ligue de handball de Kinshasa. Nous avons commencé à préparer cet événement, cette grande activité depuis plusieurs mois. Nous étions déjà en train de mettre les choses en place. Maintenant là, nous sommes focalisés pour la journée du 19 septembre pour la cérémonie de tirage au sort. Place au tirage au sort le jeudi 19 septembre 2024. Je vous propose de suivre à présent la sélection de journaux parus. C'est jeudi à Kinshasa, une sélection signée Jean-Pierre Demazo. Regardons ensemble. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Ituri,
20 morts dans une double attaque des miliciens Codeco à Djougou, annonce politico.cd. Les miliciens Codeco ont signé une double attaque le lundi 16 septembre 2024 à Fataki et à Jina, deux entités situées dans le territoire de Djougou en Ituri. 20 personnes ont péri lors de ces attaques et plusieurs biens ont été pillés par les rebelles. Selon le journal, les victimes ont été achevées par armes à feu et blanches. 9 personnes ont été tuées par machette et une autre décapitée à Fataki. Béni, deux femmes fusillées par un militaire incontrôlé, révèle MediaCongo.net. Le drame est intervenu dans la nuit de mardi 17 à mercredi 18 septembre à Mouinda, groupement de Bolema, territoire de Béni dans la province du Nord Kivu. Les victimes, issues d'une même famille, ont été surprises par ce militaire incontrôlé qui les a menacées et ligotées avant de les cribler de balles. L'une a succombé suite à ses blessures et l'autre a été transféré à l'hôpital général de référence de Béni pour des soins. Le militaire auteur de cette fusillade a été arrêté par les services de sécurité. Ituri, l'administration militaire déterminée à sécuriser les zones minières, titre le potentiel.cd. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Kachama, dit rester déterminé à neutraliser tous les groupes rebelles locaux, entre autres la milice Zaïre et la rébellion Codeco qui s'illustre à l'occupation illégale des zones minières. D'après le lieutenant Jules Ngongo, qui l'a fait savoir via l'antenne de Bounia de la RTNC, c'est ce qui explique le déploiement en masse des éléments de FRDC dans certaines localités minières de l'Ituri. Procès Rossi Mukendi en appel, l'affaire prise en délibéré. Le prononcé attendu dans les prochains jours, rapporte 7 sur 7.cd. La haute cour militaire de Kinshasa, siégeant en matière répressive au degré d'appel, a pris en délibéré la cause opposant le ministère public au commissaire supérieur Loké Sokarine et au brigadier en chef Tokis Kumbu pour le meurtre de l'activiste pro-démocratie Rossi Mukendi. Le prononcé interviendra dans les prochains jours. Madame, monsieur, c'était un plaisir de vous informer durant cette semaine. Je vous retrouve déjà la semaine prochaine avec le même plaisir. L'actualité reste en continu en français, Lingala, Swahili, Chilubaki, Congo, sur la RTNC et la RTNC.cd. N'hésitez surtout pas à visiter également notre page Facebook. À très bientôt.